Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer facilement un escalier avec Blender. Donc pour créer l'escalier, nous allons utiliser le cube de base, le redimensionner, comme ceci, avec la touche S du clavier, le déplacer vers le haut grâce au widget, comme ceci, passer en vue de côté touche 3 du pavé numérique. Nous allons maintenant effectuer un redimensionnement sur l'axe des Y, donc S, Y, et déplacer le curseur de la souris afin d'allonger le cube. Donc ici, nous avons notre première marche. Donc, pour créer les autres marches, nous allons aller dans la clé à molette, ici, modifier, add modifier, array. Le modifier array a permis de créer une deuxième copie, en fait, de ma première marche, juste à côté de la première, donc, ce qui donne l'impression d'avoir un cube, un parallélépipède rectangle, pour être exact, plus grand que celui qu'on avait à la base, mais en fait, il n'en est rien, c'est deux fois, en fait, le premier parallélépipède. Donc, pour surélever la marche, nous allons cliquer ici, sur la DZ, et surélever la marche de 1, sur la DZ, ce qui permet de créer une deuxième marche. Et maintenant, pour créer les autres marches, il suffit d'aller dans Count, ici, de cliquer et de tirer vers la droite. Ainsi, on crée par exemple ici 40 marches, un escalier de 40 marches. Donc bien sûr, nous pouvons choisir le nombre de marches, par exemple 12. Ici, notre escalier fera seulement 12 marches. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel sur la création d'escaliers avec Blender. J'espère qu'il vous aura plu. À bientôt, au revoir.